Et salut la team, bienvenue dans ce 16e vlog qui va être trop bien je pense, j'ai trop hâte. Aujourd'hui je commence le vlog là chez moi, mais dans cette vidéo on va partir hors de France, dans un autre pays. Du coup voilà, passer la journée ailleurs avec Brio et Max que je vais retrouver évidemment à la gare. Là pour vous dire il est 8h56 et pour ceux qui ont vu le vlog d'hier, du coup on était en soirée chez un abonné un peu par surprise. C'était trop bien mais du coup la nuit là ça a un peu piqué là, j'ai dormi je crois de 3h30 à 7h. Enfin je me suis réveillé à 7h pour justement faire le montage du vlog d'hier. Et là c'est un peu le rush parce que comme on part et tout, je serai pas trop dispo pour le faire après. Du coup voilà, j'ai très peu dormi mais bizarrement je suis hyper en forme, genre je pense que je suis hyper à fond, hyper enthousiaste pour la journée d'aujourd'hui. Je pense que ça va être trop bien donc voilà, ça me motive à fond. Bon et bah je vais partir à la gare et là-bas on va retrouver du coup Brio et Max et ça va être une journée de fou, ça va être trop bien. C'est parti la team. La team, regardez qui j'ai retrouvé là. Le Maxou. Salut, comment ça va? Attends, j'ai eu un moment de latence, t'as gâté ou pas? Ouais bah je pense que toi aussi t'es fatigué ou pas quand même? Par rapport au fait que je me suis couché à 3h, 3h30. Voilà, mec, ce que j'expliquais là chez moi c'est que je suis pas toi mais je suis à la fois fatigué mais quand même globalement en forme, bah tu sais, je suis hyper excité de la journée, tu vois. Moi, exactement trop bien. Pareil, je me suis réveillé genre 20 minutes avant mon réveil. Non. Ah ouais, je me suis réveillé 20 minutes ça. Et j'étais oh non non, si je me réveille comme ça c'est sûr je suis en retard. Et en fait j'étais 20 minutes en avance, mon cerveau il s'est pré-programmé avant. Bah d'ailleurs pour ceux qui avaient vu le vlog où on parlait d'être en avance ou en retard à la gare, donc nous on est là, c'est à quelle heure le train? Il y a 10h25 je crois. 10h24, il est 10h01. Voilà, donc on a 25 minutes d'avance, ça va tu vois, c'est bien. Bah normal, là, voilà. Là on s'était dit justement qu'on allait prendre un petit pain au chocolat. Tranquille, on profite de la ouais. Vie. On profite de la vie. Alors pour l'instant Brine nous envoie une photo, il est en train de se brosser les dents chez lui, il est même pas habillé. Donc il va arriver 5 minutes avant. Lucas il a envoyé un message sur notre groupe en disant je suis à la gare, vous êtes où? J'ai dit j'arrive dans 3 arrêts. Brio il a envoyé une photo de lui torse nu en train de se brosser les dents. Il va arriver en courant à la fin, c'est fou d'aimer ça, enfin je comprendrai jamais. C'est n'importe quoi. Les gens savent toujours pas où on va là. Non j'ai dit bah après ça sera sûrement dans le titre. Là on vient de capter qu'il est plus à Bruxelles. Lucas a perdu son parapluie. Terrible. Du coup on a racheté un. Parce que nouveau gate. Sinon on filme sous la pluie, c'est la galère. Et si on arrive comme Brio, et ben on peut pas prévoir ça. Bah non. Moi j'ai vite fait le petit déj chez moi donc je pense que j'ai limite rien prendre en vrai. Par contre j'aime bien ce mood de lendemain de soirée un peu. Ce lendemain de soirée cool, je suis un peu improbable. Tu sais en plus avec le montage là je redécouvre les images de la soirée, je fais ah ouais c'était cool tu vois, c'était une bonne soirée hier. Voilà team, le train part dans 10 minutes, toujours pas de trace de Brio donc c'est normal. Jusque là ouais, ça va. Jusque là tout va bien. C'est presque qu'il est en avance, il arrive maintenant tu vois. Tu t'es acheté quoi toi? J'ai acheté un cross, deux pains au chocolat et deux jus d'orange. Un pour moi, un pour Brie. Ah, il est là-bas, je le vois. Oh putain, je le vois, il est hyper loin. Il passe, c'est hyper loin. Oh là là. Tu peux le voir de loin. Je peux tout tremper là-bas, je sais pas si vous le voyez là. Pile à l'heure quoi. Pas la gare. Hein? Je trouvais pas la gare, je vous avais vu, j'ai commencé à me dire. J'aurais dû m'enseigner un peu. Il pleut dehors? Non. Non, je sors de ma douche. On y va du coup? Ouais, c'est celui-là. Max, t'as pris un petit déj? Non. Non. Avec un pain au chocolat. Mec, devine combien ça a coûté deux pains au chocolat et deux bouteilles de jus d'orange comme ça. Allez, pain au chocolat 2,20€. La petite bouteille elle est à 3€ dans la petite balle. Mec, le pain au chocolat était à 2,20€. Ça c'est fou. Et ça c'était 3,90€ je pense parce que ça coûtait 12€. 12€ de pain au chocolat, deux mini bouteilles. Tu penses qu'ils font de la marge ou pas? Bah, je sais pas, je connais pas, je sais pas du tout combien ça coûte une bouteille comme ça. Je suis un grossiste. Brie, est-ce que t'es crevé ou pas là? Non. Ça va? Ouais de fou. T'es en forme? Mais j'ai fait une nuit de 6h hein. J'ai mis mon réveil à 9h30. Propre. Propre. Je suis parti à 9h10. Pareil. Pareil même avant ça je crois. Alright la team. L'Eurostar, Big Up, Panini et Central City. Les gars, on vient d'arriver en Belgique du coup et Brio a un petit problème. J'ai un problème, je n'arrive pas à parler au train. Hein. Je maîtrise bien l'accent. L'accent, mais c'est québécois là non? J'arrive pas à changer. C'est pas l'accent québécois, c'est entre québécois et belges. Faut qu'on se dépêche parce que là du coup on va voir notre invité surprise. Du coup, on va voir Enjoy Phoenix, Marie Lopez. C'est incroyable, un truc de fou. Hein. On s'est dit en fait, ce serait fou de faire un vlog. Quand on fait des vlogs quotidiens, c'est un peu la légende des vlogs quotidiens. Moi, je l'avais connu en 2014 là-dessus. On s'est dit, c'est fou de un peu boucler la boucle, de faire un vlog avec elle, quoi. C'est dingue. C'est quoi la place où on va? Justement, je place Jourdan. Ah. Place Jourdan. C'est connu ça, dans Bruxelles, non? Bah ouais. Putain, les gars, il pleut, quelle galère. C'est la galère, la galère. Là, c'est la galère. Bon, les gars, on est arrivé à la place Jourdan, du coup. Première fois qu'on. C'est la première fois que vous êtes à Bruxelles, en fait? Oui. Ah, c'est vrai, toi, c'est la première fois? Toi, t'es déjà ouais, moi, je suis venu. Ah bon? Une ou deux fois, je me rappelle plus. Deux fois. Oui, je suis venu deux fois moi, ouais. Ah bah ok, mais t'es déjà venu aussi du coup à la place Jourdan? Bah j'ai aucun souvenir de cette place, donc je suis très content d'être là. Il fait pas beau, non. Mais ça va, le temps me fait pas chier, je suis genre content là. Mais en fait ça me dérange pas trop, c'est plus pour la caméra quoi. Et toi t'es déjà venu mon Lu? Jamais. C'est vrai? J'ai déjà venu une fois en Belgique, mais c'était pour une vidéo, on était allé à tourner. Et du coup on attend Marie qui va nous emmener dans une des meilleures friteries à ce qui paraît d'ici.
La meilleure friterie. La meilleure friterie même, franchement j'y attends. C'est vrai que ça sent vraiment bon. Vous avez faim ou pas? Je me rends pas compte. Vous avez faim ou pas, les gars? J'ai hyper faim. Et en plus, elle nous a teasé, elle nous a dit j'espère que vous avez faim. Ouais, c'est vrai. Les gars, dites-vous qu'il y a 24 heures, on passait le casting pour nos émissions de télé. Hier soir, on était en soirée chez Céleste et là, on est à Bruxelles. C'est trop bien. C'est n'importe quoi. J'adore. Ça va vite. Et ce soir, on est à Paris. Ah bah, a priori, c'était ça la meilleure friterie. La meilleure. Il commence déjà à y avoir du monde alors qu'il est que midi 13. C'est le signe d'une bonne friterie en général. D'ailleurs les gars, on précise notre programme à Bruxelles, on a aucune idée évidemment. Et c'est pas du tout ce qu'on va faire. Non, mais on a des idées. Là, on va manger frites. Ah oui, ça oui. Et boire une bière, il nous a dit. Ouais. Ça ouais, gaufre évidemment. Gaufre au goûter. Tous les clichés quoi. Et entre temps, on se balade. Ouais, Ouais. En vrai, on est vraiment les bons touristes, tu vois, de base, mais en même temps, c'est ce qu'on veut quoi. Et s'il y en a qui nous critiquent en commentaire. Non, d'accord, je pense qu'il y a personne. On peut nous triquiter. I'm singing in the rain. Tellement max. I'm singing in the rain. Je chante sous la pluie. Bravo, littéralement. Max. Bravo. Refais-le et tu chantes anglais avec l'accent belge. I'm singing in the rain. C'est exactement pareil, il n'y a aucune différence. Une fois, one time, I sing it in the rain one time. Ma mère, hier, avant même qu'on regarde le vlog, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Max, le pauvre qui t'a écouté, smiley qui pleure de rire. Je suis désolé, mais tu chantes comme une casserole. Ah, big up à la daronne. Très daronne, ce genre de message. Mais oui, il regarde tous les vlogs. Et vous, il regarde les vlogs, vos parents? Pas tous, je pense pas. Ah. Non, j'ai pas de retour, donc je pense pas. Et vos frères? Je pense pas à mon frère non plus. Et toi? Moi ouais. Bah ouais. Moi ma famille est fière de moi apparemment. Les gars, on peut s'acheter des clopes aussi, c'est moins cher ici je crois. Mais on fume pas. On fume pas. Ah, bah, du coup. Stock, au cas où un jour on fume. Ouais, au cas où. Si dans 20 piges on se met à fumer, au moins on les a, tu vois. Dis-nous. Moi j'ai un truc quand je vais dans des villes différentes, notamment à l'étranger, c'est les tasses. Ah, je vois très bien les tasses à café, les tasses à thé. Comment on appelle ça? Les tasses de tosse. Tu vas en prendre là du coup? Et du coup, il faut que j'en prenne et il faut que ça soit le plus kitsch possible. Ah, bah oui, évidemment. Je vois très bien. Et en fait, j'aime bien le délire des tasses parce que moi je bois du café et du thé tous les jours. Et du coup, tous les jours, j'ai un petit souvenir de l'endroit. Ah putain, t'es con ou quoi? Tu vas nous le mettre dans notre gueule? Pardon, Il y a un coup de vent, désolé là-dessus. C'est l'histoire de. Ah, désolé. Tu sais quoi, je faisais pareil quand on faisait les voyages là avec Gizzy, Néoxy, Camille et tout. Tu vois, j'ai ramené un petit souvenir ultra kitsch. En magnette ou figurine? Pas forcément, tu sais, même une petite figurine, un peu tout. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est le voyage de. Oh, stylé en vrai. Ah, très très belle devanture de magasin là. Quand vous étiez petit, vous rêviez d'avoir un. Un nounours mais aussi grand. Revu, en vrai. Et, les gars, vous voulez voir un truc marrant? Tu sais, d'habitude, t'as les logos interdiction de fumer, regarde. Interdiction aux cornets de frites et aux glaces. C'est marrant. C'est fou. Interdit aux frites, genre y a des gens qui me rentrent dedans avec des frites. C'est fou ça. Cornets de glace et cornets de frites. Et cornets de bière. Bah, à toutes, Max, à toutes. Non, mais c'est drôle. Frites acceptées, c'est marrant. T'es mal là sur la devanture? C'est une bonne? C'est fou. Brieux fait Batman qui a l'accent belge. Je vais sauver la ville. Ne vous inquiétez pas, non, tout va bien se passer. Là t'as pris un parti pris de pas faire la voix de Batman et juste avoir le contexte de Batman. Comment il parle Batman? Je vais sauver Gotham. Donc ça avec l'accent belge. Je vais vous sauver. Oh l'imitation bancale. Je vais sauver Gotham une fois. Tellement cliché, j'adore. À toi, à toi. Attends, je l'ai, c'est bon. Je sais pas pourquoi je tentais un mouvement d'épaule en même temps. Ça me vient pas, j'ai plus de voix. Y'a rien. C'est bien dit, non, c'est pas mal. Non, t'as même pas articulé. Ok, je crois que c'était bien, C'est nul à chier. C'est hyper dur, à tous les imitateurs qui nous regardent, et bah n'hésitez pas à le faire, à nous l'envoyer en vidéo. Ah ouais, envoyez-nous des DM de RR de Batman. En belge. Et évidemment, quand on fait l'accent belge comme ça, c'est purement pour la vanne ultra parodique. On sait que voilà, c'est on est dans le cliché de fou. Ils savent, évidemment, les Belges, bien sûr, on les adore. L'humour. Et d'ailleurs, gros big up à tous les Belges qui nous regardent. À chaque fois, c'est les frérots, ils ont souvent des messages de Belges et tout. C'est vrai, franchement, c'est ça fait grave plaisir. Ils sont tous trop gentils, les Belges. Ouais, c'est vrai. Donc, gros big up à tous les Belges. Salut, ça va? Et bah, ravi qu'on retrouve les légendes, quoi. Ouais, Jelly. Oh, non, regarde. La vraie Jelly, incroyable. Mais bah attends, mais elle a quel âge maintenant, déjà? Neuf ans. C'est fou, mais je voyais les premières vidéos que tu faisais avec, incroyable. La vraie, elle quoi. Elle est trop vieille, je suis méga triste. C'est pas un fake, on est d'accord, hein, c'est la vraie. Hein. Non, c'est la vraie. T'imagines, c'est un peu comme les parents qui tuent les poissons rouges et qui en rachètent un. Mais t'inquiète, c'est toujours le même. À la 26 ans, là. J'ai déjà changé trois fois, puis on est ensemble. On va aller manger des frites ou quoi? Ah bah, avec plaisir. Ouais, ah la cam, la galère. Là elles sont vraiment incroyables du coup là. Elles ont gagné des prix, ah ouais, tout ça. Ah ouais, incroyable. Vous voulez goûter des trucs un peu genre
Ah, de fou. Ils sont vraiment dégueu, que, mais qui sont très belges. Ah, bah nous on veut le plus belge possible. On veut tout ce qui est belge. Tu vois ce que c'est ? Rio, il est trop chaud pour ça. Il adore. Mais une fricadelle. Ah, ouais, fricadelle, j'ai trop envie. Mec, je sais même pas à quoi ça ressemble. Je connais le nom, tu vois. Moi, j'en vois pas non plus. Ah, ouais ? Ouais, le Mannequin Pig, ça représente vraiment la Belgique. C'est-à-dire que c'est genre notre emblème. Puis après, t'arrives devant et au final, t'as un. C'est un troll. C'est un troll. C'est un troll. Et nous, on en rigole parce qu'on trouve que c'est un troll. Et le monde entier, on a fait un symbole belge alors que c'est. Après, là, tu me le vends tellement mal, peut-être que justement, je vais être surpris en le voyant, quoi. Ah, mais c'est immense en fait. Hyper gros. Incroyable. Mais c'est quoi la spécialité, la sauce spécialité? La Dallas, elle est bonne ou pas? Moi, elle m'attire, la Dallas. Le nombre de sauces, c'est un truc de fou. Ouais, t'as vu? C'est dingue. Il a dit en termes de friture, il n'y a rien qui est comparable en France. C'est vrai? On leur fait goûter quoi? Ça, j'aime bien, ça s'est fait rêver ça. On leur fait goûter quoi, la fricadelle? Pour choisir, les gars. Tout ce qui est là? Tu ne fais pas de mauvais choix, quoi. Tu fais aucun mauvais choix, peu importe ce que tu prends. Moi, je vais prendre la fricadelle. Une fricadelle, ouais, du fou, ouais. Une fricadelle de fou, là. Bah attends, on goûte des trucs différents, non? Ouais. Oui, on prend plein de trucs et on goûte un truc croque et un lucide. Okay, ah bah vas-y, nickel. Vas-y. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Du coup, on va vraiment se poser dans un truc avec frites acceptées, parce que c'est vraiment ça, comme ça que ça marche, quoi. Tu prends tes frites et tu vas les manger là dans un bar. J'ai une grosse confession, je déteste la bière. Plus que tout le monde, je déteste. C'est vrai? Ah, je déteste la bière. J'aime vraiment pas ça? Ah, je déteste. Je vais faire l'effort de goûter la bière belge, mais toutes les bières, je déteste. Oh là là, mais c'est fou, par contre. Elles ont l'air tellement bonnes. Oh, le bonheur du truc. Bon app, hein. Ah, c'est apparent, on va vraiment une diff, hein. Elles sont vraiment incroyables. Ah ouais, c'est fou. Vous avez goûté déjà, les gars? Non. Tu nous attends, Lu? Ah ouais, vas-y, vous attendu, ouais. Tu nous attends pour les frites. Vous attends, les gars, pour manger les frites, toi. Cool. C'est bon. Vas-y, ouais. Bah, vas-y, dès que t'es prêt, je suis prêt. Tu nous as pas menti, hein. Ah, c'est. Tu vois la différence ou pas? Bah, c'est un truc de fou, hein. Rio, tu vas pas aimer, toi, je connais. Non, c'est délicieux. Ah, gaffe. Quelle sauce, c'est quoi, là? C'est une cocktail andalou. Non, Dallas, non? Ah, attends, vous avez pris Dallas? Ouais, on a pris Alors, Dallas. C'est Dallas. Cocktail, maillot et ça c'est Brésil. Oh là là, j'ai hâte. La Dallas elle est incroyable. Alors je sais pas ce qui est quoi. Alors, Lucifer, Woody Croc, fricadelle. Merci la team. La fameuse. Oh, la texture est menthe. Bah si. Oh, c'est bon. C'est archi bon. C'est bon. Bah c'est super bon, ouais. Vous emballez pas non plus. Bah ça va. Mec, c'est bon. Marie, c'est quoi tes conseils de vlogueuse expérimentée pour un jeune vlogueur comme moi qui rate, qui cadre hyper mal, qui gère très mal tout, quoi. Du bas vers le haut. Pourquoi tu cadres du bas déjà? Mais je sais pas, tu vois, voilà, ça c'est mon réflexe de pas vlogueur. Mais alors dans ce cas c'est ça. Putain, là tu vois, là c'est là où ça fait la différence. Marie, t'as dit tout à l'heure 10e année de Vlogmas, toi? Ouais, 10e année. 10e année, c'est fou. Regarde, tu fais ça. Ah oui, là c'est vrai que c'est mieux d'un coup. C'est que c'est mieux quand même. Moi, chaque fois, je suis comme ça, c'est dégueulasse les plans. Mais c'est parce que t'as un peu honte de vlogger dans le public. Oui. C'est juste pour ça. Un peu ça. Parce que si t'avais pas honte, tu faisais comme moi, t'aurais une caméra énorme. Tu sais qu'elle est monumentale, toi, là. Tu voudrais comme ça, toi. Mais attends, mais elle est pas lourde? Si, mais je vais à la salle. Ah, juste pour porter la caméra, d'accord. Ouais. Ok, très bien. J'ai filmé comme ça, là, tout le long, là. C'est mes nouveaux vlogs comme ça là. Et toi maintenant, honnêtement, j'avoue, je suis un peu gêné des fois quand je suis en public. Toi, t'as plus aucune gêne là-dessus, t'es tranquille. Quand je suis toute seule, j'aime pas. Ok. Mais quand je suis avec des gens, ça me dérange pas. Okay. Parce que j'ai l'impression que tu vois, ma gêne, enfin ma honte, elle se divise. Ah oui, tu vois. Donc, genre, si t'es 5, je peux faire la conne, ça se divise la honte à 5, tu vois. Allez, santé. Allez, santé. Et ben merci à vous en tout cas. Pour la découverte, hein. De rien. Merci à toi. Ah bah tiens, je. J'ai dit ciao. La galère. Ciao. Allez. Ciao. Ciao. Ça j'aime bien cette bière, tu vois. C'est vrai, vraiment bonne. C'est du coca? Ah, c'est du. Ah, c'est pour ça. Le petit poulet. Le petit poulet. Enfin, c'est quoi? Croc et l'autre, c'est Lucie. Mais non, c'est pas le croutier de poulet, justement. Poulet croc. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Vas-y, merci la team. Hein. C'est un de croutier de fou. Bah, bonne partie, hein, comme on dit. Hein. Allez, ciao. Ouais. Ah, c'est c'est hyper bon, même. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est hyper bon. Hein. Ça détrône la fricadelle en top 1. Ah ouais? Mais là, vous faites des vlogs, c'est très cher. Ouais, ma chaîne secondaire. Je voulais tenter, je me suis dit. En fait, ça fait longtemps que je voulais faire des vlogs. Et je me suis dit en novembre, c'est marrant, tout le monde fait en décembre d'habitude, justement. Je me suis dit, bah, je vais faire en novembre comme il y a tout le monde en décembre. Mais en fait, il a regardé mes vlogs. Tu as vu la vidéo avec Pierre-Paul ou pas? Je sais pas laquelle, j'ai vu toute celle que t'as avec Pierre-Paul, je sais pas. Et en gros, la folle, Lucas, il me fait mon CV, genre. J'étais là, mais quoi? Eh bien, je vais faire l'instant fanboy, Marie, je te jure, premier degré. Non, mais premier degré, ça me fait un truc de vlogger avec toi. Premier degré, je me dis, voilà. J'ai regardé les Vlogmas en 2014 à l'époque. Du coup, pour moi, symboliquement, c'est fou de faire le vlog ici, quoi. La boucle est bouclée. Mais vraiment, je te jure, ça fait un truc premier degré, quoi. T'es quand même une légende des vlogs et du YouTube, quoi. Merci d'être venu dans le vlog, c'est plaisir de fou. On passe au Lucifer, vas-y, Brio, mets ton bien pro là. Non, mais c'est ridicule. Non, t'inquiète. Je crois que. Oui, ta main, c'est. Tu peux faire. Il est con, quoi. Je vais pas croquer là. Mais si, tu croques un peu. Qu'est-ce qu'il comprend pas pour manger ça? Alors? Bah, attends, c'est froid pour l'instant. Ah, bah ça va pas se réchauffer, hein, tu dis pour l'instant. Non, mais j'ai pas le goût, je veux dire. Ça va venir. Sa bouche, c'est un micro-ondes, frère. Attends.
Et après, c'est, ouais, bon. C'est vraiment bon, rien. Ouais. Faut qu'on vous en envoie, en fait. Ça pique, ah ouais, un peu, mais ça te dérange pas. Non, bah, avec plaisir. Toutes les semaines, tu fais un abonnement, voilà. Ah, merci. Un petit abonnement, tous les mois, je t'envoie un colis. Ah, je suis hyper chaud. Oh, c'est un gosse. Posé de fou. Ah, ouais. En fait, il y a un moment où elle en a marre, tu vois. Et donc, elle se met là. Elle a c'est dingue. Ouais, en fait, elle a un truc très humain, genre, c'est hyper chelou. Cette scène est folle. Ouais, je la berce un peu, tu vois. C'est comme ça, des fans aussi, avec Brie. Qu'est-ce qu'il y a? Il berce des fois comme ça. Bah, faites-le, les gars, soyez pas gênés, là. Et t'as un truc très humain aussi, je trouve, quand je Ah bah non. Tu cuisines pas du tout? Ah merde, c'est cramé. Non, du coup, non. Pas trop, ouais, pas trop. Oh, ça fait combien de fois du ton four depuis que t'es dans ton appart? Ah ouais, j'ai un four chez moi, ça fait 2 ans et demi que je suis dans mon appart. Je l'ai jamais allumé une seule fois. Dis-moi qu'il est encore le plastique, quoi. Bah, du coup, il était déjà là quand je suis arrivé. Okay. Et par exemple, j'ai jamais bougé un seul bouton. Je sais même pas s'il marche. Même non. Toi, t'as déjà touché le four. Le four, non. Ah merci, mon frère. Merci, mon frère. Ok, la team, maintenant on décale. On va à la Grand Place. Grande Place. Merde, je sais pas comment on dit la Grand Place, je crois. C'est un peu l'endroit culte un peu de Bruxelles. Et du coup, Marie-Henri vient avec nous. Et on y va maintenant, ça va être trop bien. Regardez cette scène super. Après, au grand angle, on a l'impression qu'il y a de la place, tu vois. Ouais, en fait, pas du tout. C'est vraiment un pot de yaourt, cette voiture. C'est exactement ça. Et le brio devant, il a vachement de place, là. Il est nickel, là. Il est trop bien. Tu veux être pieds là, sinon, ou pas? Énorme complicité entre Brio et Jenny. Elle va te foutre des poils partout. Bon, t'inquiète. Tu la remplaces pas par moi, hein. Je vais devenir jaloux, hein. Elle attire moins fort que toi. Non, mais la nuit, elle doit ronfler pareil, en tout cas. Regardez-moi ça, comme c'est beau, là. Donc, le verre de la couac, c'est un long verre avec une petite boule au bout, parce que quand tu la bois, ça crée une bulle d'air dedans qui fait couac. Ok, ah ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Explication n'est pas si excitante. Si, je la réécouterai 3 fois, tiens. J'ai adoré. Et là, du coup, c'est ça, attends, là, on est dans le centre de Bruxelles, quoi. Là, on est dans le centre, donc la Grand Place, elle est juste à gauche. Je trouve qu'il y a un charme de fou, les villes du Nord. Ah ouais, clairement. Oh, ah ouais. Ah ouais, c'est beau, là. C'est ouf. Là, l'ambiance de Noël comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Oui, parce qu'en fait, ici, en Belgique, on fête plus la Saint-Nicolas que Noël. Ah, comme, ok. Genre en Alsace. D'accord. J'aime trop les ambiances comme ça aussi. Bonne nouvelle guidée. Ah ouais. Les gens connaissent exactement là où il faut aller, là où il faut pas aller et tout. Henri et Marie, si un jour vous venez à Savas, je vous fais pareil une visite guidée du village. C'est mon village d'enfance. On passera à la mairie, l'école primaire, il y a plein de trucs. Big up à tous les Bruxellois, Bruxelloises. Ah ouais. Et à tous les Belges, et à tous également les Suisses, également tous les Européens même. Stop, et même le monde entier, big up au monde entier. Moi, je dis souvent aux gens cool, restez comme vous êtes, et les gens pas cool, changez un petit peu, quoi. Réfléchis, qu'est-ce qu'on peut faire? Tape sur internet, que faire à Bruxelles? Activité insolite Bruxelles, que faire un samedi pluvieux à Bruxelles? Les gars, on arrive à la Grand Place, la fameuse, la légendaire. Oh, c'est trop stylé. Oh là là. Bienvenue! Bienvenue chez Max. Ah non, pas chez toi? Non. Ah ouais. Ah ouais, ça j'aime bien ça. Mais là, ouais. Je hurle. Je hurle. Tu veux raconter ton anecdote, Henri, que tu racontes tout le temps? Alors j'ai 3 anecdotes à raconter. Ah. L'anecdote d'Henri, on l'attend. Les 3. Il y a plein de signes des francs-maçons à la Grand Place. Le compas et l'équerre, voilà. Ah oui. Les francs-maçons, ils sont un peu partout. Deuxième anecdote, toutes les statues que tu vois dorées, elles se pointent toutes du doigt. Genre celle-là, elle pointe du doigt, celle-là qui pointe du doigt, je pense. Celle-là. Oh qui pointe du doigt, ah, c'est un beau big up ça. Troisième anecdote, si tu regardes le bâtiment principal de la Grand Place, qui est celui-là. Il n'est pas exactement symétrique. C'est-à-dire que tu vois la partie gauche est un plus grand que la partie droite. Tu vois 2 points la partie droite. Et ça, la légende dirait que l'architecte qui a designé ça, qui a fait ça, quand il a vu cette erreur, parce que ce serait une erreur, il n'a pas pu supporter l'erreur et il s'est suicidé en sautant de la source. Ah ouais? Non. Voilà, c'est la légende qui raconte ça. Allez, je fais un making-of de Marie qui filme un vlog. Ça c'est fou quand même. C'est une mise en abîme, on appelle ça. Voilà. Alors là, j'aurais mis des guirlandes et des boules. Enfin, j'aurais bien un peu le truc. T'as raison, c'est plus festif. Bah ouais. Ouais, j'aurais fait pareil. Un peu déceptif. Ah, wow, ouais. C'est pas grave, je m'en fous en vrai. Ça, on s'en fout. Ça, je suis drôle. Non, mais là, vraiment. Radez pas. J'ai l'impression d'être à poil. Radez pas, à la galère. Les gars, j'ai un peu honte. On est avec la légende des vlogs. Et là, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Et j'ai pas pris d'autre batterie. Du coup, on filme à l'iPhone. La honte. Et du coup, il y a le Mac and Peace. Non, comment on dit? Le Mac and Peace. Man and Peace. Qui est pas loin devant. T'as vu ça? Ah, c'est lui? Mais non, wesh. Mais attends, quoi? Ça lui a mis une casquette. Regardez, vous l'avez vu? Attends, mais comment ça, il est en... Pourquoi il est en survêt Lacoste là? C'est ce qu'il dit Henri, du coup, il y a des gens qui sont payés pour faire le... La tenue du mannequin. Ouais, ils sont équipementiers. Par contre, en vrai, niveau taille, je vais tourner à ça quoi. Là, tu vois là? Voilà, c'est ça, hein. C'est minuscule. Ah, c'est bon, les gars. Vas-y, Brio, fais ce que t'aimes faire là. Encore. Ouais. Non, c'est bon, il filme plus. Non, je l'ai pas eu. Oh, je suis mort. 1, 2, 3. Attends, je me trompe. J'arrive pas.
refais pour la vidéo. Voilà, encore, attends, je l'ai pas eu. Voilà, voilà, nickel. Nickel ça. Et bah franchement, je suis pas déçu, je m'attendais à ça quoi. Tu t'attendais à ça? Ouais, franchement, vraiment à ça quoi. J'en ai pas une de bien. Y'en a pas une de bien. C'est parfait. les seules fois où on le voit. On cache le mannequin. Celle-là, elle est incroyable. Elle est parfaite celle-là. Max, t'as trouvé ta tasse? Ah, c'est bon, je l'ai. Oh, parfait. C'est la plus kitsch. Un peu en relief, pas du tout la bonne forme de tasse, c'est parfait. Tous ces trucs-là, j'adore ça. Oh là là, il est parfait. La team, il est pas parfait lui? T'as pris un magnet? Ouais, j'aime bien un truc un peu kitsch et tout. Ah ouais, nickel. Non, en vrai, si là, ça va encore. Ah bon? Ah non, c'est pas, faut pas me dire ça. Ah non, non, dis pas ça, pas maintenant. Les gars, c'est la galère, au final, il n'y a pas de vendeur, du coup, bah, on a même pas pu l'acheter quoi. Même pas de souvenir. Qu'est-ce qu'on ramène nous à Paris? La galère. Bon, la pause obligée, évidemment. C'est bon. J'ai pas encore goûté en rien. C'est le chocolat qui l'a dit. Ouais, c'est vrai que le chocolat il est archi bon. Faut parler de la gaufre bruxelloise, elle est aérée un peu à l'intérieur. C'est comme les frites, c'est croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Bravo. Comme le crusty poulet. Bah ça c'est une crusty gaufre à la base hein. La team, c'est bien ce plan là. Ouais. Il est trop cool. Ce plan est très bancal, désolé. On est bientôt sur une fin de journée. Du coup Marie et Henri sont partis. Les boss, merci. Adorable. Merci la team. Ah bah. Salut la team ça. Donc ils sont partis, franchement adorable. La journée était trop bien. Journée de rêve. C'était ouf. Ils nous ont fait tout visiter. Ils étaient trop gentils. Merci encore. Ah, c'était trop cool, trop cool. Merci beaucoup à Marie-Henri, franchement bah, je pense que vous regardez ce vlog. Nous là, ce qui a se passé, c'est qu'on a bientôt le train, mine de rien, ça arrive assez vite. Ouais. On a pu faire quand même un bon tour de Bruxelles, c'était vraiment cool. Et avant qu'on oublie le mot code du jour. Ah oui. Bah, qu'est-ce que c'est? Mot code, on peut partir soit sur, je sais pas, un truc, soit par rapport à Bruxelles. Soit Jelly, le chien de Marie. Jelly en mot code, le chien de Marie, ouais. Allez, c'est vrai que t'as eu un bel attachement avec Jelly. Bah, il me reste un petit peu de... Jelly mot code numéro 16. Oui, tu nous dis où c'est hein. Tu la mettras dans le bloc ou pas cette séquence? Ouais, sûrement. Allez, on va le rater. Qu'est-ce que je voulais? Explique, Brie. Donc en fait, on devait prendre le métro pour aller à la gare. Notre train, il est dans 20 minutes pile. Le métro, on essaie de rentrer dedans. Les portes, elles s'ouvrent 5 secondes. Tout le monde rentre et se referme. On se retrouve devant. Plein de monde, on se dit le prochain, on pourra pas l'avoir non plus. On y va en courant. Sauf qu'on y est à 20 minutes à pied. Et que les portes se ferment 5 minutes avant le départ. Désolé. On n'a pas le temps de faire la bise à tout le monde, il faut qu'on court. Combien de mètres? 900 mètres. Ok, 900 mètres. À toute la team. Ça va le faire, on est large. Il nous reste 15 minutes et on arrive dans 7 minutes. Et il faut encore qu'on trouve le train là-bas. C'est bon, on a rattrapé le métro. On est chill. Dans la vision de Brio, on est en avance là. Oh, l'odeur. L'odeur qu'on va mettre dans le wagon. J'ai des gouttes sur ma lunette ou pas? Non. Voilà, c'est bon, on est bon. Hein. C'est bon, on l'a fait. Il est quelle heure là, Brie? Il est... C'est embarquement 17h08 maximum, il est 17h02. Bon, on est large du coup. Bravo à tous la team. Bravo la team. Voilà, fin de vlog est catastrophique. Même pour vous dire, j'avais oublié de faire l'outro de la vidéo. Du coup, là, je l'ai fait le lendemain en ayant fini le montage de la vidéo. Donc voilà, rien qui allait pour la fin de vidéo. Vous avez vu, on a failli rater le train. Au final, on l'a eu. On est rentré sur Paris. Donc tout ça allait bien au final. Du coup, là, comme j'ai fini le montage, bah, du coup, j'ai pu revoir toutes les images. Et franchement, c'était trop, trop bien comme journée. Mais vraiment, ça restera un trop bon souvenir à Bruxelles. Et merci encore de fou à Marie et à Henri parce que c'était vraiment des guides incroyables de Bruxelles. C'était une trop bonne journée avec eux. Donc voilà, merci, merci beaucoup. Et merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, bah, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain 18h12 pour un nouveau vlog. Ciao la team!